Alors, je vais vous faire une première vidéo concernant mes créations en pâte polymère que j'ai réalisées. Ça fait un petit moment déjà. Là, ça fait un petit moment également que je n'ai plus créé, à part pour faire des moulages pour Halloween et tout ça. Mais voilà, sinon, de vraies grosses créations, un peu dans ce style-là. Ça fait un moment que je n'en ai plus fait. Alors, je vais te mettre voilà, comme ceci, comme ça. Après, au fur et à mesure, je remets dans la boîte. Alors, la plupart des créations que je vais vous montrer, c'est voilà, beaucoup plus dans des créations de décoration, par exemple. Je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple, ici, j'ai fait une petite poule en fimo. J'en ai fait quelques-unes. Comme celle-ci, mais là je les ai pas, je les ai pas. Il me semble que j'en avais fait encore deux comme ça, mais je la retrouve pas. Je les retrouve pas. Donc voilà, je l'avais fait grâce au fascicule, mes créations faciles en pâte polymère, en pâte fimo. Voilà. Si vous voulez, je ferai une petite vidéo concernant un petit tuto. Concernant ceci, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite poule comme celle-ci. Voilà, vous avez plusieurs sortes de poules. Celle-ci, j'avais trouvé l'idée sur Pinterest. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà, comme quoi que je m'inspire énormément de Pinterest, que ce soit et pour le scrap et pour la fimo. Voilà. Ensuite, une autre idée, encore une autre création de Pinterest, c'est ce petit poussin. Alors, à savoir que ces deux créations-ci étaient réalisées un peu avant Pâques. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Donc pareil, si vous souhaitez des tutos dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le demander. J'essaierai de vous faire un petit tuto. Ensuite, toujours dans la déco, j'ai réalisé ce petit poisson. Pareil, je ne sais plus où c'est que je l'avais vu, si c'était dans le fascicule Fimo ou autre. Mais voilà, c'est un poisson. Voilà. J'avais pris vraiment plaisir à le réaliser, ce poisson. Donc, si vous désirez des tutos de certaines des créas déco, dites-le moi en commentaire. J'ai réalisé ceci, c'est un porte-couvert en fait, pour pas poser directement vos couverts sur la table. Vous le mettez directement sur ceci, c'est un poisson. Voilà. Que j'ai réalisé via un tuto du fascicule Fimo, mes créations faciles en pâte Fimo. Ensuite, toujours ce qui concerne donc le magazine, donc le fascicule, il y a ces petits chats, voilà, qui vient également du magazine Fimo, voilà, que j'avais réalisé. Aussi grâce au fascicule. C'est vraiment très facile et facile à faire pour tout le monde. Débutant, non débutant, voilà, c'est à la portée de tous, voilà, ce genre de création. Donc n'hésitez pas à me demander un tuto si vous souhaitez un tuto. Ensuite, également, il y avait un support porte-bague pour le magazine. Bon, moi, j'ai fait un comme ça parce que c'était quand même un tuto assez difficile pour moi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire simple. Et j'ai fait simple. Voilà. Et après, vous n'êtes pas obligé de mettre une bague. Mais vous pouvez très bien mettre une bague. Voilà, ça peut très bien faire voilà, l'affaire. Ensuite, j'avais vu un tuto pour sur YouTube. Je crois que c'est Dolly Maclay ou Maclay, je ne sais plus le nom exactement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Elle fait pas mal de tutos sur sur les. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
les Euffeufy ou les je sais plus quoi de Disney, voilà. Et donc du coup moi j'avais fait plus tôt. J'avais fait grâce à une inspiration Pinterest un donut, un cupcake, pardon, mini. Voilà. Là, ceci, j'avais voulu faire en fait des couronnes toutes simples, comme ceci, avec de la fimo. Voilà. Comme ceci. Et après, j'ai voulu tester ce genre de couronne-ci, qui est plutôt pas mal réussi. Voilà, je l'ai laissé simple. Après, j'aurais très bien pu rajouter des strass et tout ça. Donc, du coup, voilà. Après, j'ai réalisé ce petit cadre rond avec un petit écureuil dessus. Voilà. Ça, je crois que j'avais pris l'idée sur Pinterest également. Voilà. Après, j'avais fait un petit sablé tout simple comme ceci. Voilà. Après, vous avez le même comme ceci avec un nappage au chocolat que je vais monter. Ça, par contre, ça c'est un bijou. Ça, c'est une déco, par exemple. Ensuite, en support pour faire un porte-clés, il y a celui-ci. Donc, c'est un croissant avec un nappage au chocolat. J'étais vraiment fière de moi ce jour-là pour le nappage parce que je me suis dit, je l'ai hyper bien réussi, même le croissant. Voilà, pour moi, il paraît plus vraiment réaliste en fait. Après, là, j'ai fait un mélange, voilà, de fimo et de résine. C'est une tarte à la fraise avec des cannes à la fraise à l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai fait, on va dire, un éclair au chocolat. Voilà, bon, c'était mon premier. Après, je pense que je peux mieux faire. Voilà. Là, c'est un macaron au chocolat avec un nappage, on va dire, goût guimauve. Voilà. Là, j'avais voulu faire avec un moule fait maison, un nounours au chocolat. Voilà, mais il est un peu, voilà, il est un peu pas propre, en fait. Il est pas, voilà. Ici, j'ai fait une petite décoration d'hiver, bonhomme de neige. Voilà, mais y a pas le, y a pas le chapeau, il n'y a pas l'écharpe. Voilà, donc je l'aime bien, mais je peux mieux faire. Ensuite, là, pareil, j'avais fait un petit nœud, mais j'ai pas levé en fait le surplus de pâte qu'il y a ici. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas monté en bijoux, que j'ai pas mis de support à bijoux exprès. Bon, après, je peux mettre un aimant et le mettre sur mon frigo, mais voilà, bon, bref, c'est pas vraiment, voilà, grave. Là, j'ai fait, voilà, une petite déco qu'on peut accrocher au mur, parce que j'ai fait un petit trou. Voilà. Ça, je l'avais fait avec le moule-feuille, et ça, je l'avais fait avec un emporte-pièce. Là, j'ai fait, voilà, une petite déco qu'on peut mettre au frigo. Là, j'avais fait un petit cookie, mais voilà, c'était mon premier. Je l'ai un petit peu raté, quoi. Je peux mieux faire. Ensuite, ça, c'était un petit test avec le moule que j'avais eu en cadeau et la pâte Wepam que j'avais eu dans un concours sur YouTube. Voilà, ça fait également partie du test du moule. C'est un petit moule visage, voilà. Je l'utilise pas en vrai. Voilà, ça c'est, vous savez, les petits berlingots bonbons, les bonbons berlingots qui viennent aussi du fascicule Fimo que j'avais testé. Voilà. Après, je peux mieux faire. Voilà. Ça vient du moule nuage avec les gouttes de pluie. Voilà, que j'avais mis avec un anneau que si je voulais l'utiliser pour une création, porte-clés ou autre. Ici, vous avez une petite lune. Là, vous avez un petit nœud. Ici, vous avez un petit carré. Ici, vous avez un petit rond avec des petits détails réalisés avec des sortes de pochoirs exprès pour la fimo, mais ce n'est pas les pochoirs, c'est les plaques de texture. Voilà. Ça fait un peu comme les classeurs de gaufrage scrap, mais pour la fimo.
Voilà. Ensuite, là, j'ai encore une petite lune, deux petites lunes. Ici. Ici, j'ai deux petites plumes, mais elles sont, honnêtement, elles sont ratées. Mais bon, elles sont quand même jolies. Voilà. Surtout la petite rose, là, celle-ci. Elle est hyper jolie, celle-ci, là. Voilà. Ensuite, il y a ici deux pots, enfin deux plots, voilà, qu'on peut se servir comme porte-bague ou même en simple déco. Voilà. Ensuite, il y a un petit pot comme ça que j'ai fait à l'aide d'un moule à cupcake en silicone. Voilà, j'avais vu un tuto pour faire une petite boîte à bijoux sur YouTube, mais je sais plus qui c'est, honnêtement. Voilà. Après, je pense que ça devait être certainement le couvercle, mais il était trop gros. Mais ça, après, je pense le transformer en... Comment dire? À mettre le truc au frigo, là, en magnette. Voilà. J'ai également fait ce petit cœur, mais ça, c'est un cœur que j'ai fait moi à la main, voilà. Et que j'ai mis un petit anneau pour faire un petit porte-clés ou faire un petit charme. J'ai également réalisé un petit rond comme ceci également, où j'ai fait un petit trou pour mettre un petit charme. Et j'ai réalisé une petite tête de chat trop mimi. Voilà. Que je compte faire, je sais pas, peut-être mettre sur une création, une carte ou alors en magnette. Donc voilà déjà pour cette première vidéo. J'ai d'autres créations en Fimo, mais la plupart, voilà, il faut que je les monte en bijoux. D'autres, il faut que je voie ce que je vais en faire. Et d'autres, c'est des bijoux. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos sur mes créations en pâte polymère. Voilà, après, si vous désirez par exemple des tutos sur certaines créations. Peu de petites créations de déco, dites-moi, enfin par exemple, je sais pas moi, un petit chat comme ça, un chat comme ceci que je peux transformer en magnette ou en porte-clés, un comme ceci par exemple, ou je sais pas moi, une petite couronne et qu'on la customise ensemble par exemple, ou. Je sais pas moi, dites-moi en commentaire, mais un truc facile parce que je suis pas experte non plus. Voilà. Après, si vous souhaitez par exemple que je fasse un macaron en vidéo et qu'après je le monte en porte-clés ou en ce que vous voulez, dites-le moi, je le fais avec plaisir en vidéo. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très vite. Bye bye!